Ah. Ah mais non, 15 euros. Merci. On veut oh mettez des GG, les mecs ils méritent des GG, ils méritent des GG. Putain. Stop les rageux qui se font passer pour moi sur le chat. Alors je crois qu'il est trop hyper bêta quand il a dit qu'il veut te parler en PV après. J'ai vu le don sur mon téléphone, il va arriver. Ah mais non, 20 euros, 10 euros pour t'aider à avancer, 10 euros de plus pour être aussi proche de tes abonnés. Le cobra, 20 euros, tu es derrière le. Ouais. Il y a eu un don. On dit encore un don, 15 euros le fou. Bon courage pour la suite. Merci. Ça fait super plaisir. Du coup, yo les amis, alors pour ceux qui vont se poser la question, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Alors tout simplement pour remercier tous les donateurs. Alors dans le titre, quand je dis qu'il y a plus de 150 euros de dons, je ne mens pas. Juste qu'en fait, il y a même plus de 170 euros de dons en fait. Juste que malheureusement, je peux pas vous afficher toutes les séquences où il y a des dons parce que dans ce stream là, il y a eu des crashs, il y a eu les précédents. Mais tout simplement, on a les plus gros donateurs, donc je remercie bien évidemment Atsu, Nash, Stellou Tatou, Le Cobra, Swen LGF, Le Fou, Cisayoxi, Jérémy, et normalement je n'oublie pas, donc je remercie vraiment tous les donateurs parce qu'on a pu récolter plus de 170 euros. Alors pour beaucoup de personnes, c'est vrai que ça peut être rien, mais pour moi ça reste énorme parce que c'est de l'argent donné par vous. Et cet argent clairement a déjà été en partie utilisé pour acheter ce qui va nous permettre de capturer notre console. Donc j'ai déjà payé. À l'heure où vous verrez cette vidéo, je sais pas si j'aurais encore reçu la console, si on me l'aura renvoyé, mais en tout cas je l'ai payé. Et je voulais vous en parler un peu de cet argent que j'ai dépensé. Bien évidemment sur PayPal il me reste encore de l'argent que je vais garder pour acheter d'autres matériels en rajoutant un point de mon argent. Mais donc cette console en gros, ce que j'ai acheté, c'est pas une 3DS capture card, parce que s'il faut acheter la capture card, on n'est pas dans, actuellement on n'est pas dans la capacité de pouvoir en acheter une. Mais c'est tout simplement une console hack. Donc une console hack, c'est quoi en fait? Ça va te permettre d'installer un logiciel dessus qui s'appelle le NTR, qui va te permettre tout simplement d'afficher l'écran de ta console sur ton ordinateur, un peu comme une 3DS capture card mais en wifi. Et donc ça on peut le faire tout seul le hack, sauf en version je ne sais plus quoi, mais bref, donc moi je l'ai donné, on me l'a fait. Et on a aussi pas mal d'avantages, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc grâce au donateur on va pouvoir avoir de la meilleure qualité. Ça arrive très prochainement je pense, vous verrez cette vidéo dimanche, lundi je pense. Et je pense que la capture m'arrivera mercredi ou jeudi. En tout cas on arrivera avec du lourd, des let's play, etc. Et comme je dis, je remercie tous les donateurs. C'était Chisto, allez, paye tout le monde.